place à notre rendez-vous quotidien, vous savez, la découverte de vos bonnes idées que vous nous envoyez régulièrement par courrier. Non, non, je plaisante, vos vidéos, vous nous envoyez sur le site de Montélématin, @francetv.fr aujourd'hui. Bah, c'est le chef Olivier Nasty qui nous parle de sa belle opération solidaire en faveur des étudiants et pour laquelle il a mobilisé plusieurs chefs au grand cœur. Ça se déguste. Ce projet solidaire est né de deux mamans, Armelle et Amandine, qui ont fait la demande à Emmanuel Lénis du Café Rap à Colmar, là où nous sommes aujourd'hui, d'offrir quelques repas à des étudiants. Je suis arrivé un jour pour prendre un café et essayer de mettre mon food truck au Café Rap. Et là est partie l'idée d'offrir beaucoup plus de repas, c'est-à-dire on a imaginé offrir 1600 repas sur 4 semaines. Des chefs du pays de Ribeauvillé se sont greffés à cette opération, des chefs de colmariens. On a construit une action avec différents fournisseurs qui nous semble aujourd'hui une évidence. On voit ces étudiants qui allaient au Secours Populaire ou au Resto du Cœur. Ça paraît incroyable de dire ça, mais aujourd'hui on offre un repas tous les jours à ces étudiants. Ça leur permet de vivre autre chose dans leur quotidien. Bon appétit. Bon appétit.